Personnellement, si je devais qualifier ce qui va suivre, je dirais que c'est la chanson la plus connue, la plus chantée, la plus aimée de notre génération. Musique de nos montagnes, et bien des couples se reconnaîtront à travers les paroles que nous vous invitons à chantonner. Alors, le comité des Joyeux Lurons me permet de vous offrir un jeu. Parce qu'il suffit de trouver le nom du morceau qu'on va jouer. Oui. C'est facile. C'est le morceau le plus chanté de montagne alpine française. Alors, il faut lever le droit. Et la personne qui gagne, gagne un voyage à New York. Alors, voilà, madame là-bas. Étoile de quoi? Levez-vous, madame. Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous. Voilà, dites le plus fort. Vous avez gagné un voyage à New York. Alors, il faudra juste aller chercher le pédalo à Mittersheim. Hein. Non. Un instant, s'il vous plaît, monsieur le chef. Fliege mit mir in die Heimat, dans sa version originale en allemand. Étoile des neiges est une valse composée en 1930 par l'Autrichien Franz Winkler. Paroles françaises de Jacques Planté. Reprise par de nombreux artistes français, dont Lynn Renault. Donc, c'est le dernier tube de l'été, s'il vous plaît. Alors, tous avec moi. Dans un coin perdu de montagne, un tout petit Savoyard chantait son amour dans le calme du soir, près de sa bergère au doux regard. Hélas, soupirait la bergère, que répondront nos parents? Comment ferons-nous? Nous n'avons pas d'argent pour nous marier et le printemps. Étoile. Pour qu'à mon retour,